moi c'est Max. Alors tout d'abord, bienvenue à Samsø, qui est une magnifique petite île au Danemark. Mais avant de vous en dire plus sur cette île, je pense qu'on peut quand même se permettre de vous expliquer brièvement pourquoi on est là aujourd'hui. C'est pareil, quoi. Ciao. Almost. Woo! À l'université en France il y a presque 10 ans et on a emménagé à Londres pour quelques années, 3-4 ans. C'est une très belle expérience. Mais jusqu'au jour où on a regardé une série de films et de documentaires qui parlaient tous plus ou moins des causes principales du réchauffement climatique, de dégâts désastreux de notre environnement actuel. Là, la petite différence, c'est que ces films-là, en fait, ils ont tout simplement pointé sur un truc qui nous a pas mal remué, c'est-à-dire que notre mode de consommation, notre rythme de vie quotidien de tous les jours à Londres, on s'est aperçu qu'on était parmi ces causes principales de tous ces problèmes-là. On s'est lancé dans une première aventure l'an dernier, au Royaume-Uni, où on a fait quoi ? Et ben, on est parti avec notre van à la rencontre de communautés et des personnes dans le Royaume-Uni qui travaillent à des solutions alternatives et durables pour un monde plus éthique. Et pour un monde plus meilleur, ça se dit pas, pour un monde juste c'est meilleur. C'est pas grave, on a compris l'idée. On a compris l'idée. Donc on a parlé de nourriture, d'économie, d'énergie, d'éducation. Et donc ce premier film, on l'a enfin terminé. Ça nous a pris un peu de temps étant donné qu'au départ c'est quand même pas notre job. Et il est sorti la semaine dernière. Donc on vous invite à le regarder, mais à regarder aussi également tous ces films qui nous ont inspirés. Et puis on aurait très bien pu s'arrêter là en fait, mais finalement on a ressenti le besoin de continuer notre aventure. Donc on a décidé de tout simplement plier nos bagages, quitter nos boulots, rentrer en France pour préparer un voyage bien plus grand cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un tour du monde. Attends, je te pique la canne qui va se faire sur 12 pays et sur combien de continents ? 12. 12 continents, sûr. Donc, bien évidemment, on a plein de super destinations qui nous attendent. On va parler de plein de sujets géniaux. Durant cette année, ça s'annonce riche en émotions, en rencontres, en leçons, certainement. Et donc, nous voici aujourd'hui à la première étape de ce grand voyage initiatique sur l'île Samsø. Et pourquoi l'île Samsø ? Parce que l'île Samsø est tout simplement... La première île au monde à être devenue entièrement autonome en énergie renouvelable. Et ça, ça fait plaisir. Et ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On espère que vous allez prendre plaisir à tracer la route avec nous. D'ailleurs, en parlant de tracer la route, c'est ce qu'on va faire. Et on vous laisse profiter en image un petit peu de l'ambiance. C'est parti ? Parti ! C'est parti ! Dormi. Alors, peux-tu nous dire quel jour nous sommes et qui allons-nous voir aujourd'hui? Alors, nous sommes le mardi 12 juillet, si je ne dis pas de bêtises, et on est attendu par Søren Hermansson, qui est le directeur de l'Energy Academy de Samsø, qui est en charge du projet de l'île, de passer l'île en énergie renouvelable entièrement et autonome. Donc il nous attend depuis 9h, donc on arrive 5-10 minutes en retard pour dire genre on est des mecs cool.
et qu'on dormait à 50 mètres d'ici. Et non, c'est bien, c'est cool. On va voir si on va se prendre un petit café ensemble, discuter, peut-être faire des. Se balader un peu sur l'île, ce serait cool. Très bien, bah, c'est parti. My name is Søren Hermansen and I'm the director of the Energy Academy. I have been working with the Energy Island project for 20 years. You are now on Samsø, which is an island in the middle of Denmark. Samsø means meeting island. So the project here is actually seen from my perspective another meeting place for sustainable development. In practice, it was a project that was organized top down from the government in 1997-98. Initiated by the minister who went to Kyoto at the COP3. He promised that he would cut down 21% of the Danish CO2 emission. He said in the parliament, we need to find a place where we can demonstrate it is possible to make this change. So he sent out a competition to find a place, a community, an independent community with its own mayor and steering committee and a community that could fulfill this ambition. And to be able to commit to the competition, you had to send in a master plan, indicating how you would, okay, so year by year, in a time span of 10 years, convert to 100% renewable energy production. So when the job came up and somebody asked that we need to have an organizer to run this project, because actually eventually we won the competition. We became the Danish Energy Island, to the great surprise of many people on this island. The whole structure of, for example, organizing wind turbines, and the ownership of the wind turbines is organized in an old way, actually, because we have a tradition here about cooperative ownership. If we're going to have wind turbines in this island, if we're going to look at them or listen to them or see the change in the landscape, because there's a lot of conflicts in that also. People don't really like it. They like the idea of green energy, but having wind turbines just in front of your windows is not maybe necessarily very attractive. But green is. So to be green is attractive. Then a very good argument is to say, but you could own them. On va visiter une éolienne, c'est pas trop cool ça? On a appelé ce matin, on n'a pas réussi à avoir le contact, et finalement à l'académie, ils nous ont aidé tout à l'heure. Yes. Ils l'ont appelé pour nous et. Je pense que le mec a pas répondu parce qu'il a vu que c'était un numéro anglais. Tiens, si tu veux venir par là, voilà. Dans quoi on va monter? Ouais, c'est cool. C'est mortel, on va voir un peu son fonctionnement. Do you have an ownership on this turbine? Yes. It's yours, okay, as well? Yes. Okay. I buy it and pay it and yeah. Do you know how many of those do you have on the island? How many? Yes, 11. 11? 11 of them. Yeah. One, two. It's 5 here. 5 here, okay. Does that include the one offshore in the sea or just on the land? On the countryside. Okay. There's 10 in the water. Also, I have a half wind turbine out there. Oh, nice. It's okay, you have good shares. Nice. The solar panels on my roof down there, they give 120,000 kilowatt. 120,000, wow. Okay. And kilowatt. This one here gives, yes, only 2.5 million. Okay. I think nearly I should fill the half of the field here with solar panels if they should produce the same than the winter one. Mm. Okay. Oh. This one is 1 megawatt and is 50 meters high and the blade is 27. Okay. And she produced 2.5 million kilowatt every year. Okay. Yeah. So how many houses do they provide? 600 houses. Families. Houses. Yeah. There's a step up 6 meters, and so there's a platform. Okay. So you take a new step 6 meters. Okay. So you can never see more than 6 meters. Okay. And if you don't like the height, like me, you just look straight. Oh, you don't like the height either? We all walk that way? Yeah, we all push. Oh, we all push. On est au sommet des éoliennes, on est à 50 mètres sur l'île Samsø et je n'ai pas eu les miquettes encore. Là ça va, ça a l'air assez stable, mais c'est le vide là derrière, là, partout là. Heureusement ils ont arrêté l'éolienne avant qu'on monte. Sinon on serait fait souffler, je pense. Yes,
So what we did was we organized that. We have the one wind turbine. It could produce about 2.3 million kilowatt hours, and we divided that in shares of 1,000 kilowatt hours. So it means that there's 2,300 shares in the wind turbine. So if my house is using about 5,000 kilowatt hours, I need 5 shares. So then I can say I'm covered by wind power. I'm producing 5,000 kilowatt hours by investing in 5 shares. So this is equivalent to my house energy. So I'm neutral. I produce my own energy. And there will be a little profit also from this to my bank account, which is also attractive. And when I look at it, it looks a little bit better because I'm part owner. It's my wind turbine. Voilà, c'est bon. Action. Attends, c'est parfait. Un test. Un test. Action. 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 Ah, c'est bon. Voilà, on est enfin bien installé avec Okja devant, comme vous pouvez le voir, l'Académie d'énergie renouvelable de Samso. Voilà. Qui est un bâtiment, je sais pas si vous pouvez voir l'architecture, mais qui a été clairement inspiré par les temples vikings. Et qui en plus est apparemment autosuffisant, ouais, voilà. C'est ça? Ouais, ils ont des panneaux solaires et ils utilisent l'eau de pluie, enfin, ils récupèrent l'eau de pluie, donc voilà. Ouais, donc je pense que c'est une belle pièce d'architecture. Exactement, et ça, c'est un endroit parfait pour tout simplement se poser tranquillement avec vous et faire un petit topo sur ce qu'on a appris sur l'île. Dans le nord de l'île, ils ont 2500 m² de panneaux solaires qui sont couplés à des brûleurs de copeaux de bois et qui vont chauffer toutes les maisons du nord de l'île. Et dans le sud de l'île, ils ont 3 stations qui brûlent de la paille pour chauffer l'eau, qui va être distribuée également à toutes les maisons. Donc voilà, en chauffage, je pense qu'ils sont bien. Toutes les maisons de l'île qui ont été construites depuis moins de 5 ans sont toutes équipées pour être entièrement autosuffisantes en matière d'énergie. Donc solaire, chauffage, eau, et voilà. Au niveau des éoliennes, il y en a un petit paquet sur cette petite île puisqu'ils en ont 21. 21 dont 10 qui sont offshore, donc sur la mer, qui doivent fournir bien de l'énergie par éolienne pour 1500 habitations, ouais. Un truc comme ça. Ouais, 1500, 2000. Ils ont beaucoup de vent sur l'île. On l'a senti en arrivant. Ça, on leur a demandé quelle avait été la période la plus longue qu'ils aient eue sans que les éoliennes tournent. Tout simplement, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc, Il faut que le vent tourne à minimum 15 km/h pour que l'éolienne fonctionne. Ouais. Et après 90, il l'arrête. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passerait si l'éolienne continue de tourner à environ 100-120 km/h? Je pense que ça dépasserait l'île. Il dépasserait l'île comme ça. Là. Mmh. Il devrait s'en servir comme moyen de transport. Alors après, celui qui n'a pas trop envie de bouger. Il se jette à la mer. Il se jette à la mer. Donc les voitures, s'il y a un petit peu de transport sur l'île quand même. Mais ils ont mis en place 4 stations. De rechargement pour les voitures électriques. J'aimerais bien en conduire une. Et leur objectif d'ici 2030, c'est 2030, c'est que l'huile, le gaz et le pétrole soient entièrement remplacés par les énergies renouvelables. Pareil, d'ici 2030, a priori, tous les ferries qui se rendront sur l'île seront entièrement autosuffisants. Adieu les énergies fossiles. Et dernière petite info, Samsø est une petite municipalité du Danemark qui possède le plus de panneaux solaires par habitant. Et ça, c'est un challenge quand même qui a été relevé et qui a été accompli, et ça fait plaisir de voir ça. Samsø is Samsø. You can't copy. This is not a model. It's a process that is taking place in a local community. And I think if we want to scale this to Copenhagen, to Paris, or to London, and to big places here, then I think you need to look at like blocks of, I mean, in the city, like one block at a time, and then talk to people about what can you do here. So yes, I think you can scale the process, but the projects are different. The tipping point is probably already somewhere. We are beyond the tipping point. We should have done things many years ago, but we didn't. We can be more scared and afraid about the future, but that doesn't help anything. I think we can also make a new tipping point the other way around if we make progress and all of a sudden the world will change quickly because technology is there. If there's no reason to make decisions, people are lazy. We can have a good life. Let's have a beer. Let's relax. We need something really urgent, something very serious to make people aware of this and make politicians make decisions. And not stupid like Trump arguments. I don't believe in the Paris Agreement. Well, it's got out of it. And you can do that. Let's hope that will make people seriously aware that if a big president like this guy, he doesn't move, we need to move. Notre petit séjour à Samsø touche maintenant gentiment à sa fin. On a eu un bon aperçu de ce que Samsø est, de ce que Samsø fait.
point positif, c'est de voir que finalement, le changement, c'est possible. Et en plus de ça, les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qui pourraient nous dire « Ah non, ça va pas ou quoi, c'est une idée à la… » Et en fin de compte, voilà, quand on fait un peu le topo de ce qui s'est passé sur cette île depuis ces 20 dernières années, finalement, là, cette résistance face à des projets novateurs, elle a été quasiment inexistante. Se dire qu'il y a 10 ans, ils ont réussi ce pari-là d'être entièrement autonomes pour 4000 habitants et de se dire on va pas s'arrêter là, on va continuer, c'est de l'investissement, c'est du dévouement, c'est de l'obstination et je trouve que c'est une belle leçon à tirer d'une petite île comme ça rurale qui vit encore de l'agriculture mais qui a réussi le pari d'être 20 ans en avance sur toutes les mentalités. Donc ça, j'ai dit gros point positif et grande leçon. Grande leçon d'une petite île. Quand on voit un projet comme ça, on a envie de se dire que bon, ok, bah moi je veux que ce projet-là, je vais le copier là, dans ma ville natale. Je voudrais que tous les gens voilà, lancent leur propre truc comme ça. C'est pas un truc déjà fait en main, quoi, tu vois. CERN, c'est chiant. Moi, je voulais un plan détaillé pour donner à ma ville. T'aurais pu nous faire un PDF, merde, quoi. Ce qu'on voit aussi, c'est que les technologies continuent d'avancer, les technologies continuent de baisser au niveau de leur prix. Et surtout, finalement, ici, c'est pas une entreprise qui est venue prendre le dessus sur cette île. C'est les gens eux-mêmes qui ont trouvé le moyen, en collectivité, de devenir actionnaires de leurs installations. Ça va être pour nous le temps de vous dire au revoir, de prendre la mer et de tracer notre route vers le continent. On espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos conseils, de vos remarques. Notre but, bien évidemment, c'est de continuer à développer ce vlog dans les meilleures conditions possibles, que ce soit agréable à visionner pour vous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de souscrire. Et puis voilà. Des bisous. Voilà. À toi. Et n'oublie pas, le changement est dans les airs. Ah. Subscribe, like, share. Ah, le changement, c'est maintenant.